Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser une petite boîte. Voilà, donc c'est celle-ci. Donc qui dit Noël dit chocolat. Donc vous pouvez mettre des petits chocolats pour vos invités. Voilà, donc c'est vraiment une boîte toute simple à réaliser. Donc avec un petit système de ruban. Voilà. Et donc à l'intérieur, vous avez de la place pour mettre ce que vous voulez. Mais des chocolats, c'est pas mal. Voilà. Donc c'est celle-ci. Donc il vous faut. Moi, je l'ai réalisée vraiment avec un papier assez fin. Mais prenez quand même un papier, voilà, moyen au niveau de l'épaisseur, hein. Voilà. Donc, il vous faut donc un rectangle de 26 cm sur 19 cm. Ensuite, de nouveau, on va venir réaliser un quadrillage. Donc, sur cette partie-là, on va venir marquer donc sur les 19 cm, on va venir marquer 6 cm et 13 cm. Pareil de l'autre côté, 6 et 13. Donc je viens tracer. On obtient donc ça, hein? Voilà. Ensuite, dans l'autre sens, on va venir marquer. Donc ici, donc sur nos 26 cm, on va venir marquer donc à 9,5 et à 16,5, pareil en haut, 9,5 et 16,5. On trace. Voilà, on obtient ça. Ensuite, de nouveau, sur cette partie-là, vous allez marquer 11,5 et 14,5. 11,5, 14,5. C'est vrai que j'aurais pu le faire juste avant. 11,5, 14,5. 11,5, 14,5, ouais. On vient tracer de ce point-là. Voilà, je vais vous montrer. Hein. Comme ça. Et comme ça. Voilà, on obtient donc ça. Voilà. Et ensuite, sur ces rectangles-là, on va venir marquer à 2 cm et à 3 cm du bord. Donc 2 et 3. On va prendre notre équerre. Voilà. Vous montre après à la caméra pour avoir les deux lignes ici. Là. Et là. Voilà, pour avoir, j'espère qu'on voit bien la caméra. Voilà, donc c'est ces deux lignes-là. Voilà, ici et là. Donc une fois que ben, le traçage est fait, on va venir découper ici à chaque fois.
on obtient donc ça. Voilà. Ensuite, vous allez venir marquer tous vos plis. Donc, tous les traits, vous venez marquer les plis. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous venez plier chaque petit morceau. Et ensuite, ça sera juste une histoire de collage. Je voulais vraiment vous faire une petite boîte toute simple. Voilà. Donc on obtient donc notre pliage comme ça. Après, vous allez venir alors soit avec du double face, soit avec de la colle. Moi, je prends de la colle en stick. Donc les petites pattes, vous venez mettre de la colle. Et on va venir assembler comme ça. Ici. Voilà, déjà un côté. Pareil de l'autre côté. Pareil ici. Voilà, donc vraiment bord à bord. Hein. Là, ça s'est décollé, c'est pas bien sec. Ici, pareil. Voilà. Ensuite, au-dessus, donc une fois que votre boîte est formée, au-dessus, marquez vraiment bien le pli. Ensuite, on va former, voilà, la petite partie au-dessus. Hein. Donc moi, vu que je n'ai pas de petite machine pour faire des trous, j'utilise ma perforatrice. Voilà, donc système D avec ce trou-là. Donc vous venez bien mettre bord à bord. Et ensuite, vous venez faire un premier trou. Pareil de l'autre côté. Essayez d'être centré. Voilà, donc on a nos petits trous, vous venez passer votre ruban, bon, c'est vrai que du coup le rendu avec le papier que j'ai utilisé, il est vu qu'il est assez fin, ça rend pas pareil qu'avec le papier que j'ai utilisé pour cette boîte. Hein. Elle est beaucoup plus costaud, beaucoup plus rigide. Hein. Donc du papier assez épais, mais pas trop. Hein.
Voilà, et vous venez mettre votre petit ruban. Après, vous venez mettre votre petite déco. Ouais, c'est vraiment pas évident avec ce papier là et donc le petit nœud, hein. Voilà. Le tuto est terminé. À très vite.